بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Donc aujourd'hui, t'as répété que tu racontes l'histoire de l'autre Samaritain. Bah oui, bah si tu me laisses le temps de m'exprimer, vous allez entendre l'histoire. Donc aujourd'hui, nous allons raconter brièvement l'histoire de l'eau de Zamzam. On répète Zamzam. Zam zam. Zam zam. Alors déjà, l'eau de Zamzam, c'est l'eau la plus importante du monde. C'est l'eau qui a le plus de valeur à nos yeux. Pourquoi? Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ma'u Zamzam. Lima Shuribala Ma ou Zamzam Lima Shuribala Ma ou Zamzam Lima Shuribala. Il dit Ma ou Zamzam, l'eau de Zamzam, elle est pour ce qu'elle est bu. Qu'est-ce que ça veut dire que cela? Ça veut dire que lorsque tu bois l'eau de Zamzam, tu la bois pour quelque chose. Si tu veux aller au paradis, eh ben tu la bois pour aller au paradis et tu iras au paradis. Si tu veux grandir et être en bonne santé, eh ben tu la bois pour grandir et être en bonne santé et tu seras grand et en bonne santé. Si tu la bois pour avoir plein de jouets dans le paradis, et ben tu la bois et tu auras plein de jouets dans le paradis. Si tu la bois parce que tu es malade et tu veux qu'Allah te guérisse, et ben tu la bois et ce sera une cause pour qu'Allah il va te guérir. Donc l'eau de Zamzam, c'est une eau qui est très importante. Et cette eau, on la trouve à la Mecque. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est l'eau de Zamzam. Alors, les enfants, les questions, ce sera tout à l'heure, après l'histoire, d'accord? Kauthar, s'il te plaît. Oui, mais Kauthar, c'est pas toi qui es le gardien de la plume. La plume, elle est là, la plume, elle est pour tout le monde. Pour l'instant, j'ai dit on ne touche pas. Après, tout le monde pourra toucher à la plume du Taous, d'accord? Mais ça, c'est en arabe qu'on va apprendre la plume du Taous, la Risha. D'accord? On va le dire tout à l'heure. Mais d'abord, non. Sinon, on ne raconte plus l'histoire du Zamzam. Non? Ça ne vous intéresse pas? Kawatha, ça ne t'intéresse pas l'histoire du Zamzam? Non? Oui ou non? Oui. Ça t'intéresse? Donc alors, tu m'écoutes. Tu t'assois en tailleur. Tu laisses la plume de côté et après je vais vous prêter la plume, vous pourrez tous la toucher et tous la regarder. D'accord? Donc, alors là on ne me coupe plus, sinon je ne vais pas réussir à me souvenir de toute l'histoire.
Il y a très longtemps, il y a bien longtemps, Allah, tabaraka wa ta'ala, a choisi un homme qui était très gentil pour devenir un prophète. Et il s'appelait Ibrahim. Répétez, Ibrahim. 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 Alayhi salam. Et Ibrahim, il était marié avec une femme qui s'appelait Sarah. 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 Mais Sarah, elle était malade dans son ventre. Oui, elle était stérile. Elle ne pouvait pas avoir de bébé. Non. Et Ibrahim, alayhi salam, il voulait un petit bébé. Il voulait un petit bébé. Et Sarah, c'était une femme très, très belle. Très jolie. Et Sarah, elle aimait beaucoup Allah. Et elle adorait Allah. Et Ibrahim, alayhi salam, dans son peuple, ils étaient méchants. Donc il a changé de pays. Et il est arrivé en Égypte. Mais en Égypte, il y avait le pharaon. Et le pharaon, le méchant pharaon, il voulait avoir toutes les femmes pour lui. Donc lorsqu'il a vu Ibrahim alayhi salam venir avec Sarah, il a dit, amenez-moi cette femme dans mon palais. Le pharaon, c'était le roi d'Égypte. Mais il n'était pas gentil. Et ils ont été voir Ibrahim et lui ont dit, qui est-elle? C'est qui elle pour toi? Et si Ibrahim, il aurait dit, c'est ma femme, ils auraient tué Ibrahim. Donc il a dit, hazihi urti. C'est ma sœur. Est-ce qu'il a menti Ibrahim? Eh ben non, il n'a pas menti en fait. Pourquoi? Parce que c'est sa sœur en islam. Dans l'islam, on est tous des frères et on est tous des sœurs. Vous avez compris ou pas? Oui. Kawthar, tu n'écoutes pas ce que je t'ai demandé. Attention, sion. Et les gardes, ils ont pris Sarah. Et ils l'ont ramené au palais, au château. Et là, le pharaon a voulu s'approcher de Sarah et toucher Sarah. Mais Sarah, comme elle aimait beaucoup Allah, comme elle croyait en Allah, comme elle adorait Allah, comme elle était soumise à Allah Azza wa Jal, elle savait qu'Allah il allait la protéger. Et elle a dit, « A'udhu billahi min. » Je cherche protection auprès d'Allah contre toi. Et lorsque Ibrahim, il a voulu toucher Sarah, il a voulu toucher Sarah, il est tombé électrocuté, il est tombé paralysé par terre. Et là, il a dit, il ne pouvait plus bouger. Et il a dit à Sarah, s'il te plaît, demande à ton Dieu, demande à Allah de me libérer. Et là, je ne te toucherai plus. Et Sarah, elle a demandé à Allah, et Allah, il a guéri. Mais vous savez ce qu'a fait le pharaon, ce méchant? Il a menti. Et il a voulu toucher Sarah une deuxième fois. Il est retombé par terre. Et il a dit, s'il te plaît, demande à Allah, Azzawajal, de me libérer. Et là, je ne mentirai plus. Et elle a demandé à Allah, et Allah, il a libéré. Et il a encore menti, le méchant. Et il a touché... Et il est retombé par terre. Et là, il a dit, c'est fini. Je te promets que je ne te touche plus. Et là, Allah, il a libéré. Et il a promis, il a pu mentir. Et il a dit, donnez plein de cadeaux. Donnez plein de cadeaux à Sarah et ramenez-la chez elle. Il a dit, parce que Allah, il la protège. Soit Allah, il la protège, ou soit c'est
une sorcière. Alors que Sarah, ce n'était pas une sorcière, mais qui protégeait Allah, qui protégeait Sarah. C'était qui? Allah, tabaraka wa ta'ala. Qui protégeait Sarah? Qui protégeait Sarah? Qui protégeait Sarah? Qui protège Ibrahim? Qui protège tous les croyants et les musulmans? Et Saïd, Firdaus. Et là, il lui a donné plein de cadeaux. Et dans les cadeaux, il lui a donné une servante à lui. Et cette servante, elle s'appelait Hajar. 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 Et Sarah, elle a dit à Ibrahim alayhi salam, comme tu veux un enfant et je ne peux pas avoir d'enfant, marie-toi avec Hajar. Et Ibrahim alayhi salam, il s'est marié avec la deuxième femme qui s'appelle Hajar. Parce que nous les musulmans, les hommes, ils peuvent se marier avec combien de femmes? Une seule, deux, trois, quatre, cinq, six, dix, onze. Comment? Combien? Quatre. Quatre ou cinq? Ou deux? Quatre, c'est bien Firdaus. Il peut se marier avec quatre femmes. D'accord? Et là, Ibrahim, il était marié avec combien de femmes? Deux. Avec deux. Il était marié avec deux femmes. Et il a eu un petit bébé avec Hajar. Et il s'appelait comment ce petit bébé? Aïssa. Non, c'était pas Aïssa. Non. Non. Il s'appelait... Il s'appelait... Ismaïl. D'accord? Il a eu un petit bébé qui s'appelait Ismaïl. Et vous savez quoi? Après Sarah, Allah lui a donné un bébé. Et elle a eu un bébé dans son ventre. Et comment il s'appelait le bébé de... Comment il s'appelait le bébé de Sarah? Le bébé de Hajar et de Ibrahim, il s'appelait Ismaïl. Mais le bébé de Sarah et de Ibrahim, il s'appelait comment? Non. Très, très bien. Il s'appelait Ishaq. Ishaq, c'était le bébé de Sarah et de Ibrahim. D'accord? Et là, Allah Azza wa Jal, il a ordonné, écoutez bien l'histoire parce que c'est là l'histoire de Zamzam. Allah, il a ordonné à Ibrahim de prendre sa femme, Hajar, et son petit bébé Ismaïl, et de partir dans un endroit très très loin, dans une vallée très très loin. Et il est parti, il est parti, il est parti, il est parti, il est parti. Ils ont traversé les montagnes, ils ont marché. Et ils sont arrivés près d'un endroit, près d'une vallée. Et Ibrahim, il a laissé Hajar et Ismaïl et il est parti. Et Hajar, elle a dit, mais Ibrahim, pourquoi tu nous laisses ici? Et Ibrahim ne voulait pas répondre. Ibrahim, pourquoi tu nous laisses ici? Ibrahim ne voulait pas répondre. Et ensuite elle a dit, est-ce que c'est Allah qui t'a dit de faire cela? Et Ibrahim, il a dit oui. Et là Hajar, elle a dit, si c'est Allah qui a dit ça, moi j'écoute Allah, moi j'obéis à Allah, moi j'aime Allah Azza wa Jal. Ensuite Ibrahim, il avait un tout petit peu à manger. Ismaïl, Ibrahim, il a laissé un tout petit peu à manger à Ismaïl. Ismaïl, il a tout mangé et il avait faim. Il a commencé à pleurer. Et la Hajar, elle a cherché autour d'elle pour savoir est-ce qu'il y avait à manger. Et elle a vu que là-bas, il avait une montagne. Et la montagne, elle s'appelait Safa. Répétez, Safa. Elle a couru. Elle est montée sur la montagne. Elle a regardé. Elle a vu que là-bas, tout au bout, il y avait une autre montagne qui s'appelait Marwa. Répétez, Marwa. Et elle a couru. À Safa, elle est partie à Marwa. On répète, Safa, Marwa. Safa, Marwa. Marwa, Safa. Marwa, Safa.
Elle a couru. Safa, Marwa. Safa, Marwa. Marwa, Safa. Marwa, Safa. Safa, Marwa. Safa, Marwa. Marwa, Safa. Marwa, Safa. Et de Safa, elle est repartie à Marwa. Ça veut dire qu'elle a fait 7 allers-retours en courant. Et lorsqu'elle est arrivée à Marwa, elle a entendu un bruit. Et là, Allah Azza wa Jal, il a envoyé l'ange Jibril. Et l'ange Jibril, alayhi salam, il est descendu et il a frappé par terre avec son aile. Ou il a frappé par terre avec son talon. Et là, l'eau de Zemzem est sortie. Et Safa et Marwa, c'est juste devant la Kaaba. Et l'eau de Zemzem est sortie. Et là, Allah Azza wa Jalla, il a nourri Hajar. Il a nourri Ismaïl. Et ensuite, Ismaïl, il a grandi à la Mecque. Parce que cette ville, c'était la Mecque. Et ensuite, quand Ismaïl, il est devenu grand, Allah Azza wa Jalla, il a dit à Ibrahim de revenir voir son fils et de construire la Kaaba. Et c'est là qu'ils ont construit la Kaaba. Ils ont construit la Kaaba. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut encore boire l'eau de Zamzam, l'eau qu'Allah Azza wa Jal a descendue pour Ismaïl et Hajar. On dit Rabbana, Atina, Fid Dunya, Hasana, wa fil akhirati. حسنا وقنا عذاب النار لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحدة